Coucou mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Donc on va aller voir ensemble les messages hein, qu'on a à nous transmettre aujourd'hui. Donc c'est une guidance pour tout type de relation. Donc bien évidemment c'est du général. Voilà, donc vous prenez les messages qui vibrent en vous. Je remercie infiniment toutes les personnes qui me suivent. Merci pour votre fidélité, pour vos abonnements. Et pour vos jolis commentaires, je reçois de très beaux commentaires. Donc merci à vous tous et à vous toutes. Et je souhaite également la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Allez, c'est parti. Je prends l'oracle Xavam d'Amandine Bocquet. Allez. Donc quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Allez, c'est parti. Quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors ici, on garde espoir. Il y a des personnes qui gardent espoir. Alors, il y a peut-être eu des obstacles, des épreuves par lesquelles vous êtes passé. Ou que vous passez encore, hein, que vous êtes en train de... Voilà, il y a des défis à relever, des épreuves. Mais on vous parle d'un exaucement de souhait. Voilà, vous avez peut-être fait une demande à l'univers, à vos guides. Mais voilà, on vous dit gardez espoir puisque votre souhait va se réaliser. Vous voyez, ici, on nous parle de cadeaux qui arrivent vers vous. Donc, on nous parle de cadeaux, on nous parle de déclarations. Donc, pour moi, voilà, vous avez une personne dans le cœur et cette personne va vous faire une déclaration, va vous faire un aveu. Cette personne va peut-être, voilà, si ce n'est pas encore fait, elle va vous avouer les sentiments qu'elle ressent pour vous. C'est pourquoi on vous demande de garder espoir. Et oui, parce que ici, voilà, avec le chiffre 1, voilà, on vous parle d'un nouveau départ avec cette personne. C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ avec vous. Et avec la colombe, cette colombe est symbole de paix. Voilà, on va retrouver un apaisement, on va retrouver un retour au calme suite à cette déclaration qui va être faite. Donc, magnifique. Donc là, votre autre, voilà, il va vous faire des aveux, vous faire une déclaration. Donc, c'est vraiment un beau cadeau pour vous. Donc, voilà, gardez espoir surtout. Mais voilà, c'est quelque chose qui va vous apaiser. Ouais, vous allez apprendre une nouvelle qui va vraiment vous mettre en joie, vous soulager. Quelque chose d'inattendu, d'inespéré, je dirais. Il y a des personnes qui, voilà, qui s'attendaient pas, qui s'attendent pas au retour de leur autre hein, ou à une telle déclaration. Et pourtant, on vous dit oui, regardez. On a un homme ici. On a un homme, mais ça peut être une femme. Donc, vous adaptez par rapport à votre situation. On parle en tous les cas d'une personne. On me parle de complicité, d'entente, de soutien. Magnifique. Ici, on me parle d'amis ou de famille. Donc cette personne, vous l'avez peut-être rencontrée grâce à des amis ou à de la famille. Mais voilà, cette carte peut aussi signifier que cette personne que vous avez dans le cœur veut fonder un foyer, une famille avec vous. Voilà. En tous les cas, on nous parle ici d'un nouveau départ. Hein. Donc là, vraiment, c'est une belle surprise qui arrive vers vous, mes abonnés. Donc, gardez espoir. Voilà. Après la pluie, le beau temps, hein, comme on dit. Voilà, vous voyez, on a deux fois la carte de l'homme, hein, quand même. On a quand même deux fois la carte de l'homme dans le même tirage. Donc là, vraiment, on vous confirme que... Vraiment, cette personne va venir vous revoir
pour vous faire une déclaration, quoi, pour justement construire quelque chose de solide pour aller vers ce nouveau départ. Voilà, pour vous allez être en joie, vous allez être en paix, vous allez retrouver un soulagement. Alors, c'est peut-être une personne qui était ou qui est engagée, mais puisque ici on me parle de divorce, de séparation. Donc là, c'est peut-être quelque chose qui a mis du temps, puisqu'on me parle d'attente. Mais voilà, en tous les cas, ça arrive. Donc on vous demande encore un petit peu de patience. Ouais. Génial. Mais c'est super, ça commence super bien. J'aime bien, moi, des tirages comme ça. Allez, on continue. Je prends les anges de l'amour. Allez, s'il vous plaît, les guides, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors ici, on nous parle d'enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, peut-être que, voilà, si vous êtes séparé ou que votre autre est séparé, voilà, que ce soit d'un côté ou de l'autre, vous avez des enfants. Alors, peut-être que, voilà, peut-être que cette personne, comme on l'a vu, va divorcer. Ou l'est, mais en tous les cas, voilà, cette personne a des enfants et pour moi, elle est en train de régler des choses par rapport à la garde de ses enfants, en fait. Pour moi, c'est ça, la carte des enfants. Après, cette carte me dit aussi que, voilà, quand vous êtes ensemble avec la personne de votre cœur, vous êtes joyeux, vous êtes comme des enfants, vous êtes, ouais, vous êtes dans la légèreté, ouais, vous ne voyez pas le temps passer, voilà, vous ne calculez même pas les gens, en fait. Voilà, vous êtes complice. Vous êtes complice. Vous êtes bien. Allez, s'il vous plaît, les guides, encore un petit message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Waouh, super! Vous voyez, on nous parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Génial! Donc là, vraiment, comme on l'a vu juste avant, hein, on avait deux fois l'homme, hein, deux fois... la carte de l'homme dans le tirage, et là on vous dit bien que là cette personne revient pour une réconciliation. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui veut un nouveau départ avec vous. Hein. Génial. Voilà. Bingo. Nouvel amour. Donc là, la carte du nouvel amour. Voilà, c'est tout simplement que votre autre revient. Et pour les célibataires, on vous dit que là, vous allez faire une rencontre. Très bientôt. Donc pour moi, pour certaines personnes, ce serait pour la période de l'hiver. C'est ce que je ressens. Et ce sera vraiment quelqu'un avec qui il y aura une forte complicité également. Magnifique. Et là, en dodo deck, j'ai la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Super les abonnés. Mais écoutez, si les messages vous ont parlé, merci de commenter, hein, puisque j'aimerais bien savoir un petit peu, voilà, si vos retours, hein, si vous avez des nouvelles de votre autre, s'il y a eu réconciliation, etc., etc. Voilà. Allez, on continue avec l'oracle des amoureux. Donc, on va voir un petit peu ce que votre autre a envie de vous dire. Allez, quel est le message de votre autre au moment présent? Alors, la carte à la volée, je ne sais pas où. Excusez-moi, je reviens. Allez, quel est le message de votre autre au moment présent? Quel est le message de votre autre?
Là, on a un autre, hein, clairement, qui est en pleine transformation, qui a compris beaucoup de choses, qui a guéri ses blessures du passé. Vraiment, c'est génial. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Vous voyez? Votre relation est sur le point de s'approfondir. Voilà, comme on l'a vu juste avant, magnifique. Et en dodo deck, on a une magnifique carte. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Voilà, mes chers amis, j'espère que, bah, que cette guidance vous a plu, hein, parce que moi, franchement, ça m'a plu. C'est des super messages. Oh, c'est vraiment le top. Vraiment, je vous le souhaite, hein, mais j'y crois. J'y crois. Faites confiance. Gardez espoir, hein, comme on l'a vu. Voilà, il y a de belles surprises qui arrivent à vous. Un nouveau départ. Vous allez retrouver vraiment un soulagement, un apaisement, un retour au calme. Là, voilà, votre autre, il est sorti deux fois quand même, hein, dans le tirage. Donc là, c'est une personne vraiment qui va revenir vers vous pour une réconciliation, hein. Donc c'est magnifique. Mais écoutez, merci de liker, de commenter, hein, si ce message, si les messages vous ont parlé. Je vous fais de gros bisous, mes abonnés, et je vous dis à très bientôt. Bye bye!